toutes et à tous. Alors, le résultat de cette élection européenne est visiblement, ou était visiblement prévisible, puisque pendant 2 mois, on a eu les mêmes sondages, rien n'a bougé. Donc, on nous fait croire que la droite est de retour et tout, mais si on regarde bien les résultats, la droite, elle fait quoi? 38, 39, 40% à tout casser, selon la méthode d'addition. Donc, on est loin d'avoir une droite, comment dire, gagnante. Hein, on serait plutôt dans une droite en difficulté. Bon, autre problème, la dissolution rapide, tout de suite, avec le vote dans quelques jours, ne laissera à personne le temps de se préparer. Donc, tant que cette droite n'a pas compris qu'il faut revenir à deux blocs, d'un côté les progressistes, communistes, marxistes, socialistes, wokistes et j'en passe, et de l'autre ceux qui aiment la France, donc les patriotes, ceux qui vivent ici pour sauver la France, eh bien, elle n'aura aucune chance de gagner. Vous pouvez ne pas le croire aujourd'hui, hein, au vu des résultats d'hier, mais demain, ça sera tragique, parce que je regardais les résultats en détaillant. Alors, je donne des exemples. À Marseille, le mouvement de Mélenchon a fait 40%. À Paris, la droite est quasiment en dessous des 30%. Hein ? Il n'y a pas d'embellie. Reconquête, malheureusement, pour la bonne candidate qui était Marion Maréchal, sincère, qui aime la France, qui sait ce qu'elle dit, puis qui ne se laisse pas faire, la candidate idéale. Mais elle a été enfermée dans un mouvement, visiblement, qui ne passe pas et ne passera jamais. Pourquoi ? Bah parce que, de toute façon, il faut changer à un moment le logiciel. Il faut accepter d'écouter ce que disent certaines personnes, ce que disent les gens pour aider certains politiques. Or, là, c'est impossible. J'avais écrit, je vous signale, en 2012, la liste des politiciens qui ne voulaient rien savoir, rien écouter, qui ne répondent même pas à vos courriers, hein, faut le savoir, qui sont là ou qui vous font des réponses toutes faites, qui n'ont rien à voir avec ce que vous aviez demandé. Eh bien, c'est la même chose en 2024. 12 ans plus tard, il n'y a rien qu'à changer. Ils sont dans une tour d'ivoire. Ils sont entre eux. Hein, ils sont toujours satisfaits. J'écoutais hier le gars du LR, là, Bellamy. Très bien. Mais il n'est pas dans notre monde, ce gars-là. Hein, il ne sait pas ce qui se passe. C'est clair. Il a parlé comme un gars qui venait d'ailleurs. Quoi, c'est un martien. La gauche, au moins, elle est toujours égale à elle-même, elle vous parle toujours des mêmes problèmes, le social, le bien vivre ensemble, etc., etc. Tous des trucs qui ont foiré quand même. Tout ça, ça a échoué, lamentablement. On est dans un système aujourd'hui qu'il faut changer. Alors, on va changer quoi? On va changer l'image d'un parti, le logo d'un parti, on va changer le nom d'un parti. Mais on ne change rien. Il faut changer. Il faut essayer de changer. On n'a pas le choix. C'est fini, ça. Qu'est-ce que ça veut dire un pays où on n'est plus capable d'avoir des frontières? C'est plus un pays, c'est une passoire. Et le problème avec les migrants, il est là, quoi. Il faut arrêter de se voiler la face, se dire qu'il ne faut pas être raciste et tout. Par contre, vous avez des partis politiques aujourd'hui qui sont ouvertement racistes, antisémites. Ça, ça choque personne. C'est un truc de dingue, quand même, quand on y pense. Autre exemple, quand vous entendez là, les Mélenchon et compagnie là, vous dire « Oui, il tue des civils, truc machin. » Mais moi, je vais vous répondre, monsieur Mélenchon. Il tue des civils, mais qu'est-ce que c'est que des civils qui tiennent des otages chez eux? C'est quoi, ça? C'est des civils pour vous? Bah, pas pour moi. Voilà. Donc, on ne sera jamais d'accord. Je vous le disais, c'était un pied aparté sur cette vidéo que je suis en train de faire. Donc, la seule chance qui se produira, peut-être le 30 juin et le 7 juillet, c'est qu'il risque d'y avoir des triangulaires ou quadrangulaires même. Et là, la droite actuelle, le Rassemblement national, est bien placée pour gagner par défaut, puisqu'elle n'aura pas la majorité, bien sûr. On vous le dira après, hein, vous inquiétez pas, les médias vous diront « Oui, ils ont gagné, mais ils n'ont pas la majorité. » Ben, c'est vrai, mais c'est pas grave, ils ont gagné quand même. Ou ils auront gagné quand même. Alors, je dis à tous les autres, là, Reconquête, Patriote, Debout la France,
et tous les autres petits groupuscules là, qui sont ici ou là, qui ne représentent pas grand-chose, c'est le moment ou jamais d'oublier tout et de dire « on y va, on va gagner ». Et si on ne fait pas ça comme cela, eh ben on va perdre. C'est tout simple, c'est basique. 1 plus 1 font 2, on le sait. Et noir et blanc, c'est une opposition, on le sait. Donc, je le maintiens et je le répète, on doit revenir aux deux blocs. Il faut que les choses soient claires dans la tête des Français, non pas comme là, tout est devenu flou, vaseux. Il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus de valeur. Il faut arrêter ça. Il faut revenir aux bases. Et sinon, on n'y arrivera jamais. Et la gauche, elle a encore de beaux jours devant elle. Regardez bien les résultats et vous verrez que j'ai raison. Alors, évidemment, les autres, qu'est-ce qu'ils voient ? Juste ce qui les intéresse à titre personnel, ils ne voient pas l'ensemble de la chose. Ben, l'ensemble de la chose, c'est qu'il faut revenir à deux blocs. D'un côté, donc je l'ai dit, les progressistes et toutes leurs appellations qui vont avec. Et de l'autre, les patriotes, point barre. Et l'union fait la force, il n'y a rien d'autre. Et si on n'est pas capable de se conduire ainsi, eh bien on perd. C'est clair, c'est net. Et je le dis et je le répète, c'est une occasion peut-être historique, unique. Il faut défaire cette gauche. Parce que cette gauche, elle a détruit, déconstruit la France. Et comme je dis toujours pour finir, on est mal, on est même très mal.